à tout le monde. Cette fois-ci, je vais vous présenter tous mes mangas Pokémon. Ça va changer un petit peu des jeux vidéo. Et on va commencer, parce que là, j'ai un gros paquet. Je pense même que j'en ai encore chez ma mère, donc c'est pour dire. Donc, on va commencer par les plus récents qui sont sortis. Donc, pour les Pokémon Horizon. Donc, j'ai lu le 1 et le 2. Alors, moi, je les ai trouvés sympas, voilà. Et en plus, c'est joliment illustré, je trouve. De toute façon, les mangas, c'est toujours comme ça. Hein. C'est joli. Voilà, alors. Au suivant. Je vous présente le manga Rouge et Feu Pokémon. Alors, il y en a que j'ai pas lu. Celui-là, je sais plus. Non, celui-là, ça me dit rien. J'ai pas dû les lire. Voilà. Il faudra quand j'aurai le temps. Et j'ai le 2. Donc évidemment, si j'ai pas lu le 1, j'ai pas dû lire le 2 ni le 3. Hop. Voici le 3. Et alors, par contre, on commence, parce que là j'en ai encore. Ouf, j'ai ça. Là, j'ai une grosse pile. Là. Je vais vous faire voir ce que j'ai lu. Donc c'est Diamant et Perle. Voici le tome 1. Le tome 2. Et le tome 3. Ensuite, il y a le 4. Là. Oui, il y a aussi la collection noir et blanc que j'ai, mais je les ai pas ici. Donc, c'est pour vous dire tous les mangas Pokémon que j'en ai beaucoup. Alors, et j'ai le 5 de cette collection-là. Donc là, c'est le tome final de ceux-là. Voilà. Dans ce que je vous ai fait voir tout à l'heure, je pense que il y en a que 3. Est-ce que c'est bien la fin ça? Je regarde, je vérifie. Parce que j'en ai tellement que je sais même plus où. Alors, est-ce que c'est écrit ici? Non, déjà, faut regarder sur la fin, pas sur le début, hein, parce que c'est un manga. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de manga, donc Ah ouais, c'est vraiment la fin. Non, c'est pas la fin. Donc ça veut dire qu'il y a aussi le 4. Ah bah si, mais je l'ai là. Je l'avais pas vu. Il était là. Le vilain, je l'avais pas vu. Donc ouais, j'ai toute cette collection là aussi. Ah. Je suis grave, j'en ai tellement que je sais même plus. J'étais un petit peu perdu là. Hein. Alors, j'ai aussi celui-ci. Voilà, donc lui, je l'ai lu. Il était sympa à lire. Voilà. Je pourrais même le relire, tellement que c'était bien, bien sûr. Et j'ai Pokémon Soleil et Lune. Le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Alors, Soleil et Lune, j'aime bien Pokémon en jeu vidéo, j'aime bien aussi la série en manga, mais l'anime, franchement, j'accroche pas du tout. Je sais pas du tout ce que vous en pensez, vous, mais en tout cas, pour ceux de ma génération, hein, les années début 2000, je trouve que c'est moins bien maintenant la série Pokémon, la série animée. Donc voilà, je suis un peu déçu. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour donner votre impression. Et je vais aussi vous faire voir celui-là. Voilà. Donc je pense que c'est même sûr. Je dois en avoir d'autres numéros de Pokémon XY, mais je les ai pas ici. Donc
Là, j'ai que le 5 en ma possession ici. Parce que, étant en studio, c'est petit. Donc, du coup, je peux pas emmener tout mon matériel parce que j'ai tellement de choses. C'est la caverne d'Ali Baba avec moi. Donc, du coup, je sais que j'en ai d'autres. Si je les retrouve, je vous ferai une autre vidéo. De toute façon, il y a encore des mangas Pokémon qui vont encore sortir. Et moi, évidemment, je vais les acheter, quoi. Donc, voilà. Donc, il y en aura d'autres. Il y aura une partie 2. Voilà. Et donc, je vous ai surtout présenté les gros mangas. Après, les petits, j'avais ce que je vous ai montré tout à l'heure, là. Horizon et puis j'ai celui-là qui traîne, les autres ils doivent être chez ma mère dans le grenier. Voilà, je vous ferai une partie 2 quand j'aurai tout retrouvé avec moi. Je déménage bientôt donc je sais pas si j'aurai plus grand ou pas. En tout cas, j'aimerais bien récupérer toutes mes affaires pour pouvoir vous les présenter. J'ai aussi quelques mangas des films Pokémon. Ça c'est l'avant-dernier parce que maintenant il y a le pouvoir est en nous, voilà, parce qu'il y a le pouvoir est en toi aussi, pas confondre, c'était le film 2 ça. J'ai également ce manga là, donc ça c'est pareil, c'était d'un film Pokémon, le blanc, Pokémon le film blanc, Victini et Zekrom. Et j'ai celui-ci aussi, voilà. Donc ces trois-là, je les ai lus et j'ai également vu les films. Et j'aime bien, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup surtout aimé le film de celui-ci. Par contre, je trouve ça dommage, dans le film, ils ont mis des personnages, genre ils remplacent Ondine et Pierre, quoi. Donc ça j'aime moins, par contre. J'aurais préféré qu'ils gardent les personnages principaux, pardon. Et ils ont aussi mis des Pokémon qui ne sont même pas de Kanto dans le film. Parce que ça, en fait, ça retrace le début de Sacha et Pikachu. Et ils ont mis des Pokémon qui sont même pas de Kanto, ils sont venus après. Donc j'aurais préféré qu'ils restent vraiment dans le Kanto quoi, de l'époque. Mais non, ils ont un peu modifié, voilà. Il y a juste celle que j'aime pas trop dans le film. Mais sinon le reste c'est bien. Les graphismes, j'adore. Ils sont excellents. Et évidemment, le scénario il est excellent vu qu'ils ont repris le départ de l'aventure. Je trouve que les scénarios de ceux-là, en film, hein, je dis bien, je trouve que c'est moins bien. Que les premiers là, le premier film Pokémon, le deuxième, le troisième et celui-ci qui retrace le départ de la première saison Pokémon. Voilà, après je trouve que c'est un peu moins bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, je parle surtout pour ceux qui ont vu tous les films Pokémon. Laissez-moi vos avis en commentaire. Je serais curieux de voir que vous en pensez. Je vous dis à bientôt pour la suite. Salut tout le monde!